C'était aujourd'hui le dernier jour pour faire des bonnes affaires. Je veux parler bien sûr de la foire européenne. On est avec Claude Ferrer. Alors on va faire un premier bilan. Bonjour Lionel, un premier bilan avec grand plaisir. La foire a cette année bien marché, je dirais. Nous sommes en probablement tendre vers les 200 000 visiteurs qui sont notre palier habituel. Je ne veux pas donner de chiffres. Je ne peux pas donner de chiffres dans la mesure où ce dernier lundi est encore très important. Notre public ne s'y trompe pas. Nous nous appelons ça le lundi des affaires. Il y a une entrée à tarif réduit. Et c'est vrai que les exposants n'aiment pas beaucoup rapporter leur matériel dans les entreprises ou dans les commerces. Et donc, c'est l'occasion de faire encore des affaires, de négocier, après le repérage que certains ont eu à la foire, de revenir ce lundi pour passer aux actes. Ceux qui auraient pu acheter au prix fort, aujourd'hui, peuvent peut-être un petit peu négocier. Je pense qu'il y a moyen de négocier. Il y a aussi moyen, après avoir fait le tour justement de l'offre, qui est quand même exhaustive, qui est importante à la fois, d'être sûr de ce qu'on veut acheter et de passer aux actes. Comment se sont passées ces fameuses soirées qui drainent un autre public? Ça a été extrêmement agréable parce que nous avons eu la chance d'avoir du beau temps. Et du coup, j'aurais dit c'est un peu un prolongement des vacances encore. On est zen, on va dîner dans les différents restaurants de la foire, tout en se promenant dans les allées et en achetant. Mais c'est vrai que c'est un peu un autre public et c'est un autre état d'esprit. Et des chiffres d'affaires autour de 20 millions d'euros, c'est ce que vous me disiez il y a une dizaine de jours. C'est le poids de la foire européenne, autour de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous le saurons cette année lorsque nous aurons terminé nos enquêtes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'espère que, pour nos exposants en tout cas, qu'on puisse continuer à afficher ces chiffres d'affaires importants qui motivent leur participation tous les ans à la foire et qui font que près de 80% des exposants sont fidèles à la foire européenne. Voilà, merci Claude. Alors, on va regarder ensemble le dernier journal de la foire, c'est Vincent Rucli accompagné de Yannick Pépé. Ils ont comme ça harcelé parfois un petit peu les commerçants, mais gentiment. Très sympathiquement. Voilà, très sympathiquement.